Pourquoi toi? Bienvenue pour les tirages du mois de décembre. On y va, on a bientôt terminé. On est pour les vierges aujourd'hui. Bienvenue à vous. On va regarder vos prévisions pour ce mois de décembre. Celles ne sont pas faites en avance. Beaucoup de personnes préfèrent aussi qu'elles soient faites plutôt milieu ou fin de mois pour pouvoir confirmer si ça se réalise, les prévisions que je vous fais. On va regarder un petit message angélique pour commencer, que j'ai rajouté assez guidance, si je le trouve, elles sont là. Et ensuite, je vous fais le taroscope. Je continue avec un oracle et puis une coupe au niveau amoureux pour voir aussi ce qui se passe pour vous, les vierges, pour ce mois de décembre. On y va, vierges. Donc, c'est des petites vidéos sur TikTok. Bienvenue. Merci de me rejoindre. Merci de vous abonner. Ça fait plaisir. Si vous avez des messages à mettre sous les vidéos, vous pouvez mettre un petit message de quel genre de vidéo vous voulez, si vous appréciez, si ça vous parle. Vierge pour le mois de décembre. Quel message pour les vierges pour le mois de décembre? Je coupe. Je prends là au milieu. Tadam. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a quelque chose de mieux pour toi, cher ami vierge. Il y aura certainement une chose à changer. Quelque chose qui n'est pas forcément adapté à ta situation ou à ta vie actuellement, cher ami. Il y aura certainement un changement à faire. On va regarder tout de suite avec le taroscope. Vierge pour le mois de décembre 2023. Vierge pour le mois de décembre 2023. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail Sandra Brunst. Qu'est-ce qui se retourne? Le chariot, il y a une avancée avec un nouveau choix à faire. sandrabruns3@gmail.com. Je suis à 20 euros. N'hésitez pas, franchement, je ne fais pas des prix chers parce que je sais ce que c'est. Moi, on m'a coupé sur YouTube ma chaîne par diffamation et c'est pour ça que je suis sur TikTok. Je suis plutôt du tout en accord avec YouTube. Alors, si vous voulez une guidance et me soutenir, avec grand plaisir. Parce que je le fais justement pas cher et puis c'est important que je puisse continuer mes guidances et que ce n'est pas à autrui qui sont malfaisants, qui nous interdisent et qui ne nous permettent pas de faire nos guidances. Vierge, décembre 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je coupe, on y va, on prend quatre cartes. Alors, on va voir ce qu'il y a ici pour vous. Il y en a une qui est tombée, je la garde. Et en réponse pour les vierges en décembre 2023, qu'est-ce qui se passe? Tac, si j'ai besoin d'une synthèse, je vais la prendre tout à l'heure. Alors, on dit qu'il y a effectivement des choses qui ne sont pas claires avec la lune ou qu'il vous faudra éclaircir une situation. Mais cette situation, comme elle est en cours, normalement, la lune ici, elle nous dit, écoute ton intuition, parce que grâce à ton intuition, à ton fort intérieur, tu vas trouver la réponse ou tu vas trouver la nouvelle direction, parce qu'on a eu le chariot tout à l'heure qui nous dit, avance dans ta vie et prends une nouvelle direction et une direction qui est meilleure pour toi. Donc là, pour moi, la lune, elle est positive, mais il y a quelque chose à éclaircir dans ta vie. C'est n'importe quel domaine, amour, argent, travail, etc. Éclaircis une situation, écoute ton fort intérieur, elle te donnera la réponse parce qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose de beaucoup mieux qui t'attend. Et ben justement, en ayant la papesse en contre, on nous dit que tu n'écoutes pas là, ton intuition, tu n'écoutes pas assez ton intuition. Est-ce que, ami vierge, tu es trop dans le mental? Est-ce que tu es encore trop dans le mental? Parce que le vierge est très carré, organisé, il aime que ce soit bien parfait, tout, voilà. Et il n'est pas forcément connecté. Il n'est pas forcément méditation en attendant et en ayant la réponse juste pour lui. Alors là, pour ce mois de décembre, si tu veux prendre le bon chemin pour toi, eh bien, il est conseillé, en tout cas ici dans le tarot, d'écouter ton intuition parce que tu ne le fais pas pour éclaircir une situation. Éclaircis cette situation ici, elle est importante pour toi parce que ça te permettra de prendre le bon chemin. On a l'étoile. Ah, l'étoile va pouvoir te guider, te protéger en dominante. L'étoile, c'est aussi la destinée, c'est la protection. Tu vas être aidé par l'univers qui va te montrer le chemin, qui va te montrer des signes, des synchronicités, des personnes que tu vas rencontrer. Tu as une aide de l'univers, suis-les, écoute-les. Si tu n'arrives pas à écouter ta propre intuition, écoute ce que tu as.
Et en réponse, on nous dit qu'il y a quelque chose justement qui change. La maison Dieu, il y a un changement important qui va se faire. Donc, s'il y a quelque chose qui n'était pas pour toi, ça va se déconstruire pour que tu puisses reconstruire quelque chose qui est beaucoup mieux pour toi. On nous dit cette situation n'est pas floue, tu n'écoutes pas ton intuition, mais l'univers va venir en aide et il y a quelque chose qui va se déconstruire. Ça peut être un travail, une relation, une maison, un appartement, peu importe, un lieu de vie. On va compléter avec l'oracle, on verra un petit peu plus en détail. Vierge pour le mois de décembre. Vierge pour le mois de décembre. Vous pouvez aussi me trouver sur aliavoyance.com par téléphone, qui est un support le moins cher sur le marché, 40 centimes la minute. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez une guidance téléphonique, c'est vraiment, vraiment donné. Vierge décembre 2023. Vierge décembre 2023. aliavoyance.com, vous trouvez mon nom. Vous me trouvez pour une guidance sous le nom de Shiva, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme domaine qui est ressorti ici? En dos de deck, on nous parle de passion. Alors, il y a soit quelque chose à changer au niveau amour, c'est pas la bonne personne qui est avec vous. Oui, vous voyez directement sur la femme. Pour certains hommes, on nous dit, bon, ou femme, peu importe le genre, il y a ici une personne qui n'est pas forcément bonne pour toi. Il y a quelqu'un de mieux. Ça nous parle effectivement d'union. Donc, ça nous parle ici dans le relationnel. Après, vous pouvez l'adapter sur une autre situation, mais pour le moment, le dos de deck me donne ça, ceci. Une personne qui peut être intéressée, donc qui n'est pas forcément dans l'amour. On voit qu'il peut y avoir une femme autour de vous, une personne, une union en tout cas. Il y a beaucoup de disputes dans votre relation, ouais, et vous allez prendre un autre chemin. Donc, comment expliquer? Le taroscope ainsi que l'oraclescope correspondent. On nous dit vous allez devoir prendre un autre chemin. Vous voyez comment sont les messages des guides? Bon, je suis un canal, je suis connecté. Donc on nous dit bien, il y a quelque chose de mieux pour toi ici. Vous êtes en dispute, les vierges, avec une personne, vous n'écoutez pas assez votre intuition, vous le savez au fond de vous, mais vous voulez absolument rester têtu comme vous êtes. On nous dit non. Et l'univers va vous montrer le chemin. D'accord? L'univers va vous montrer le chemin. Je vais regarder avec l'oracle amoureux. On va juste prendre la coupe. Les vierges pour le mois de décembre 2023. Vierge pour le mois de décembre 2023. Par la suite, là, il me reste un signe, je crois. Je vais faire les taroscopes pour le mois de décembre. Pardon. 2024. Une coupe. Une coupe une fois. Et là, je vais la prendre avec la main gauche, comme toujours. Les vierges en décembre, oui, il y a une séparation qui se profile. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. On vous conseille, et vous le savez au fond de vous, que si vous voulez vivre une relation sentimentale, pour le moment, vous êtes en refuge, en réflexion, dans votre tour, comme on dit. Vous faites l'ermite, vous réfléchissez, vous êtes peut-être déjà fâché, vous êtes peut-être déjà en pause dans votre histoire sentimentale. Et vous êtes en train de vous poser des questions, mais vous êtes plus dans le mental. Ok, cette personne, elle est avec moi. Ok, on a vécu une passion, mais elle est plus avec moi. Maintenant, je me rends compte pour l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je reste ou je reste pas? Écoute ton intuition parce que tu ne le fais pas assez, chère amie vierge. D'accord? Et puis, vous verrez sur votre chemin, vous allez percevoir certains symboles, certaines synchronicités, certaines choses que vous n'avez peut-être pas vu précédemment avec la lune, que cette personne est effectivement pour vous, pour certaines raisons, peut-être plus pour elle que pour vous, et par amour pour vous. Là, il y aura un changement à faire. On nous parle que par la suite, ce serait mieux de vous séparer. Et on nous parle effectivement, je viens de parler de changement, qu'est-ce que je vous ai dit? Et qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là. Ça veut dire ça. Il y a quelque chose de mieux pour toi. Il y aurait une nouvelle rencontre par la suite, parmi vos amis d'ailleurs. Voilà, chers amis, je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, que tout se passe très bien pour vous, bon Noël, bonne fête, et je vous souhaite le meilleur pour l'année 2024. Je vous retrouverai pour des tirages. À tout bientôt, au revoir.